Bonjour, je m'appelle Ma Mingzhu, réalisatrice d'un court-métrage ARIA de la vie, d'un court-métrage duré 15 minutes dans section compétition du monde. Quelle est l'histoire du film? L'histoire du film sur... sur un jeune gens chinois qui travaille dans une grande ville, Pékin, et il a reçoit le téléphone de son père. Son grand-père est décédé, donc il retourne dans sa maison de campagne pour voir la famille. Et la famille qui parle l'histoire de son grand-père avant de se décéder. Et il sentit il y a beaucoup de émotions très profondes, très touchées pendant des jours à la campagne. Après, il rentre dans la grande ville et continue à travailler. C'est l'histoire, c'est comme ça. Et pourquoi avoir choisi le festival de Montréal pour la première mondiale? Parce que j'ai entendu que le festival des films du monde Montréal, c'est un festival du monde. Il y a beaucoup de genres de films qui sont projetés ici. C'est beaucoup plus... beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Oui, j'ai toujours préféré les films d'art. Donc ici, c'est la première choix. Première mondiale. Est-ce que vous pouvez me dire en chinois? En chinois? L'histoire du film, donc le pitch du film en chinois. Ok. Ok. 我的这部电影的名字叫《生命咏叹调》，讲述了这样的一个故事：一位在北京工作的年轻人接到他父亲的电话，说他的爷爷已经去世了。他接到这个电话之后呢，非常的悲伤，然后请假返回到家乡。然后他的家里人每一位家里人都向他讲述了爷爷生前的故事。他爷爷是多么的渴望继续的生活，渴望他的生命能够继续的存在，然后渴望跟家里人的这种很亲密的感情。但是爷爷去世了，他 听到家里人给他讲述这个故事的之后，他内心的触动非常的大。他觉得这个家庭每一位成员对爷爷的爱和爷爷对他们的爱，这种亲人之间的爱是无比的伟大，是爱是宇宙运行的一个规则。这就是也是我想要在这个电影里边想要表达的一种情感。然后最后呢，他离开了家乡，离开了他的父母亲人，又回到了大城市继续工作。这是在当前的中国，当前的中国就是年轻人都在大城市工作，然后父母在，很远的家乡，这样分离，这样的一种情感的分离，这样的一种现状，我想把它表达出来，然后也呼唤，年轻人多回去看看他们的父母，看看他们的亲人。好了。谢谢，j'ai tout compris. Merci beaucoup. Merci.